Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai décidé de bichonner ma petite Golden et en profiter pour vous montrer les produits que j'utilise pour nettoyer mes loulous. Il faut savoir que de base, je ne suis pas du genre à utiliser 500 000 produits sur eux. J'utilise le strict minimum, voire j'en utilise quasiment aucun, par exemple en été, où je leur passe juste un simple coup de brosse et ça leur suffit. Pour ma part, pour Golden, j'ai vraiment envie de me concentrer un peu sur son aspect physique, sur l'entretien de son poil et de son crin, parce que comme vous l'avez vu en hiver, Golden n'est pas du tout jolie. Avec les soucis qu'elle a eu, c'est sûr, ça n'a pas arrangé les choses, mais de base, son poil n'est pas très beau et tout, je la trouve pas hyper jolie. Donc j'ai vraiment envie de commencer dès maintenant à l'entretenir, à lui apporter un peu plus de bien-être, sur son poil et tout, et vraiment à la maintenir dès maintenant. Voilà, c'est vraiment elle m'a fait tellement peur l'hiver dernier que je n'ai vraiment pas envie de me louper cette année, donc je vais en profiter pour vous présenter un peu tous les produits et on va bichonner ma petite louloute. Donc c'est parti. Pour commencer, c'est la chose que je fais automatiquement, je mets du démêlant sur les loulous. J'ai utilisé un démêlant et je l'aime beaucoup. Hop, c'est le démêlant de CNC. Hop, attendez, je vous fais un petit focus. Là, donc c'est le démêlant que j'ai toujours utilisé. Il est bio, voilà, il sent très bon, il fait très bien son job. Donc il est quasiment vide, je crois. Ouais, j'en ai quasiment plus, il a été très vite utilisé. Alors comme vous voyez, j'ai mon petit fil qui se balade avec moi. Voilà, il serait peut-être temps que j'investisse dans un micro, mais pour le moment, je n'ai pas forcément les finances. Et là, comme vous voyez, il y a également des chardons. Elle est encore blindée de chardons. Je suis contente, à ma louloute. Oui, c'est très bien ça. Là, c'est très bien ma louloute, c'est très très bien. Hop. En attendant que le démêlant fasse effet, eh bien je vais simplement lui la brosser. Donc en été, je ne m'enquiquine pas, j'utilise simplement une Magic Brush. Donc ça, c'est pas une vraie Magic Brush, c'est une hypotonique. Mais personnellement, payer 10€ en plus pour avoir soi-disant de la marque, alors qu'on peut en avoir pour 2,50€ qui font largement leur travail. Voilà, moi je vais pas m'enquiquiner, donc j'utilise... la petite rose pour Golden. Chaque loulou a une brosse bien attribuée pour éviter la contamination s'il y a un souci. Moi, je me suis toujours débrouillée comme ça pour que chacun ait leur propre brosse. Donc Golden a une petite rose. Voilà, des belles fesses, ma fifi. Vous avez vu ça? T'as des belles fesses, hein, ma fille? Hein, ma louloute? Alors par contre, faut pas avoir mal au dos avec eux, hein. Faut vraiment se foutre au sol pour être à leur hauteur, surtout avec Golden. Golden, c'est vraiment la plus petite. Golden, tu fais, je crois qu'elle fait... Parce que vous êtes beaucoup à me demander quelle taille elle fait. Et si je ne me trompe pas, elle fait 68 cm au garrot, la louloute. On va aller regarder ça approximatif, même si ça va pas être très juste. Ah non, elle a pris 2 cm. Approximative, elle est à 70 cm au garrot, ma louloute. T'as pris quelques petits centimètres. En même temps, depuis que je l'ai eue, je l'avais plus mesurée. Et elle était encore bébé. Donc, elle a grandi en même temps. Donc, la louloute fait officiellement, je veux dire, 70 cm au garrot. Normalement, je lui nettoie toujours les muqueuses, donc les yeux, les naseaux et... les petits endroits intimes, mais très brièvement, parce que c'est pas très bon de toujours les nettoyer. Donc je les nettoie environ une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Là, ça fait un moment que je les ai pas nettoyés. Donc de base, avant, j'utilisais la lotion des zones sensibles de Ekina. Donc c'est vraiment pour les zones
les plus sensibles en fait, quand ils sont vraiment très fragiles. Je l'utilise plus pour l'hiver parce que je sais que Gossip et Golden ont tendance à avoir les yeux qui coulent, les yeux très fragiles. Mais en été, ça va un peu mieux, donc j'essaye de l'user le moins possible. Et en ce moment, du coup, j'utilise les lingettes de chez Raven, donc les Easy Shine. Donc voilà, c'est des lingettes, je pense que vous en avez entendu parler. Où tu donnes tes petits yeux, voilà. Ouais, très bien ça. Ouais, parce que là, elle commence déjà légèrement à avoir les yeux qui coulent. Donc ça va être le bon combat pendant l'hiver, parce que le souci c'est qu'à un moment elle m'a tellement fait des infections au niveau des yeux que tout le dessous là était, y avait plus de poils. On était à la peau, des fois ouverte. Donc cette année j'ai pas envie que ça arrive de nouveau. Je change de côté. Hop, et je passe un petit coup. Ouh, c'est pas agréable. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait maman? Ouh, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Je kiffe les chardons. Quand est-ce que vous allez arrêter de m'en foutre des tonnes dans vos crins parce que ça vous les bousille? J'ai l'impression de rien faire avec vous. Wow. Même avec le démêlant, avec les chardons, c'est impressionnant comme ça se démêle pas quoi. Les crins, il y en a aussi du bordel là-dedans. Là là, là là. Oh là là, surtout que je kiffe ces longs crins et elle me les bousille comme à rien, en mode je m'en fous de ce que t'aimes maman, moi j'aime me mettre des chardons dans les crins, hein? Exceptionnellement, vu que je la bichonne, on va un peu approfondir le nettoyage. Je ne vais pas doucher Golden puisqu'il fait plus très chaud. Si, les après-midi il fait chaud, mais là on est le matin. L'après-midi je travaille donc je ne pourrai pas venir l'après-midi. Donc on va faire du shampoing sec. Alors de base j'utilisais le détachant de chez Ekin. C'est un qui marchait hyper bien, j'ai jamais eu à redire. Il a quand même été déjà bien utilisé. Mais il y a peu de temps, la marque CNC, donc ceux du démêlant, m'ont envoyé également un détachant du coup, robe et crin. Donc c'est du 100% naturel, donc j'ai envie de le tester, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, ça va être un crash test en même temps. Oh je me tape avec les produits. Ouh, j'en mets une tonne moi. Bravo Céane. Oh je vous jure, je suis pas douée. Je vous dis que je suis pas douée. Regardez l'état de mon pantalon. Voilà, je suis contente. Voilà, je viens de bousiller mon pantalon. Avec de la poudre. Bon, moi ça fait effet blanchissant. Hein. Là, on voit bien que ça devient blanc. Hein. Ils sont pas. Ils mangent pas sur leurs produits. Hein. On va essayer sur la queue aussi. Voilà, du noir, mais un peu de blanc là. Hop. Sur le petit cucu. Toi aussi, tu veux du blanc, Laïa? Toi aussi, tu veux du blanc. Oh, mon fofé. Oh, t'es collant. Non, mais lèche pas ça. Bah, t'es bête, toi. Faut pas lécher. Faut pas lécher. Oh si, ça marche quand même. Hein. On a une légère, une plus grosse blancheur, j'ai l'impression. Voilà, c'est un peu plus blanc. Ça va, ça rend bien. On dirait un shampoing sec, quoi. Nous allons curer les petits sabots de Miss Golden. Bon, ce qui est pratique avec Golden, c'est qu'au vu de la superficie de son sabot, il n'y a pas grand-chose à nettoyer, donc ça va assez vite. Donc on est tranquille, donc on est parti. Comme vous pouvez le voir, elle a pas vraiment... Voilà, les petits sabots, voilà, ça fait ça quoi, c'est pas très gros. Des petits sabots, oh des petits sabots, un, deux, voilà, en deux coups c'est nettoyé. Et pour finir, bah, je lui mets un peu de graisse. Moi, j'ai pas cherché plus loin. Je prends la graisse blonde, du coup, pour l'été, de chez Fuganza. L'onguent noir pour l'hiver, pour durcir un peu plus le sabot. Mais voilà, j'en mets pas des tonnes. J'en mets très rarement au loulou. Mais vu que là, on la bichonne, bah, on va mettre un peu de graisse pour qu'elle soit entièrement nettoyée. Voilà. Au vu de la petite taille de ces sabots, je ne vais pas m'amuser à seulement prendre la couronne parce que sinon il me faudrait juste un coton-tige. Donc là, hop, on va en mettre sur toute la petite corne. Hop, hop, non, bouge pas.
Voilà. Hop. Et on va les mettre aussi un peu en dessous. En fait, c'est tellement qu'elle a un petit pied, elle, c'est que je peux même pas, un coup de pinceau, et tout le sabot est graissé, quoi. Voilà la beauté. T'es belle, chérie. Sur son crin, ça a plutôt bien fonctionné. Le crin, il est beaucoup plus blanc. Donc, je suis très contente. À chaque fois, il y a les petits cratons encore qui sont là. Mais en soi, la louloute, elle est toute belle, là. Ouais, t'es belle, ma chérie. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et d'avoir partagé ce petit moment de bichonnage avec moi vous aura également satisfait. Je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut !